Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale et ça m'a vraiment déçu de Facebook et je vais vous montrer pourquoi. Là, on est sur le compte Facebook qui est associé à mon Quest 2 et vous allez voir ce qui se passe si jamais on décide de supprimer le compte Facebook qui est associé au Quest 2. Donc, je clique sur l'onglet supprimer et désactiver mon compte. Et là, si je clique par exemple sur supprimer définitivement mon compte, l'information que je dois prendre en compte et qui est tout en bas, la suppression de votre compte Facebook entraînera la suppression de vos informations Oculus. Cela comprend vos achats d'app et vos succès. Vous ne pourrez plus retourner aucune app et vous perdez tous vos crédits du store. Cela signifie tout simplement que si on supprime le compte associé à ce compte Oculus, on perd aussi le compte Oculus. Ça veut dire que toutes vos applications que vous avez achetées, je sais pas, peut-être que vous avez mis 150 ou 200 euros sur vos apps Oculus, vous perdez tout et vous êtes obligé de racheter les applications derrière et les jeux aussi. Et cela, même si les jeux sont dans votre casque, vous ne pourrez plus y jouer dans le casque si le compte Facebook est supprimé. Du coup, voilà, hein, moi je pense que Facebook abuse un peu de sa position parce que, quand même, supprimer définitivement le compte Facebook, ça veut dire qu'on perd tout ce qu'on a sur notre compte Oculus, on perd le compte Oculus et tout ce qui va avec. C'est quand même c'est très très chaud en fait. Du coup voilà, au moins maintenant vous savez et vous ferez attention j'espère. Du coup n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ça, si vous trouvez que c'est normal que Facebook fasse ça ou au contraire ce n'est pas normal. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans l'actualité Oculus. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité d'Oculus Facebook, cliquez sur les perdus numériques. Après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist et là cliquez sur la Playlist Actualité Oculus. Donc pour l'instant il n'y a que 9 vidéos, mais au fur et à mesure j'en rajouterai d'autres vidéos. A plus la team!